Welcome to the 2018 Toronto International Film Festival. My name is Michael Lerman. I'm the Senior Manager of Festival Programming here. And welcome to this very early morning screening of Mademoiselle de Joncaire. I applaud all of you for being awake this early. Well, hopefully you have a long day of movies ahead, so and I think you're in for a real treat, so thanks for making it out. To begin with, I'd like to acknowledge that we are in the treaty territories of the Mississaugas of New Credit and the traditional territories of the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Huron-Wendat, and we are so excited and thankful to be working with the community today and every day of every year. I also want to remind you that I also want to remind you that this film is eligible for the Grolsch People's Choice Award. There's only one way to vote left. You go to the website tiff.net/vote and vote that way. And I also want to quickly thank Indie Sales for providing us with the print. They've been such great partners year after year. I also want to thank Unifrance for supporting all the French movies in the festival. Putting the platform program together, we're looking for a variety of things, and it's really hard to kind of satisfy all the little pieces that we're looking for. But with this film, the thing that really stood out to us was just the really intelligence and wit and sophistication of the script and the amazing directing and performances. So it's with great pleasure that I bring to the stage right now, director Emmanuel Moret. Bonjour et merci, merci pour votre curiosité, merci d'avoir mis votre réveil ce matin. Hello, thank you for your curiosity and for setting your alarm clocks this morning. quand j'ai écrit le film, j'étais loin de me douter que je présenterais pour la première fois mon film au Canada. When I wrote this film, the last thing on my mind was that I would present my film for the first time in Canada. Nous allons voir comment la noblesse canadienne réagit face au... We'll see how the Canadian nobility reacts to this film. mais peut-être qu'il y a un sens que le film soit présenté à Toronto, puisque... Oh, à cette époque, le film remonte, on remonte dans le temps peut-être 250 ans en arrière. Les deux cultures peut-être les plus influentes étaient justement la culture anglaise et la culture française. Et elles sont toutes les deux réunies ici, aujourd'hui. But maybe it means something that we're presenting it here because this film is set about 150 years ago where the dominant cultures were the British or English cultures and French cultures which we find together here in Canada. Donc je suis très impatient de connaître vos sentiments et vos impressions. Je vous souhaite une bonne projection. So I'm very excited to hear your impressions and I wish you a good screening. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the stage the director and writer Emmanuel Moret. Rebonjour. Eh bien, écoutez, je suis à votre disposition si vous aviez des questions ou des commentaires à me faire. Hello, I'm at your disposal if you have any questions or comments that you'd like to make about the film. Thank you. Yes, over there. Non, il n'y a pas de storyboard parce que c'est un film qui ne repose pas sur des effets spéciaux, ou plus précisément, les effets spéciaux sont les comédiens. No, there was no storyboard because it's not a film that relies on special effects. The real special effects are the actors themselves. Donc, visuellement, il y a eu en préparation beaucoup de travail sur les costumes et sur les décors. Et l'idée était de faire un film d'époque, mais où on ait le sentiment, en étant dans cette époque, qu'on soit dans quelque chose de frais et de neuf, et non pas de vieillot.
So visually, most of the preparation was focused on the costumes and the sets. And the main idea was to create a period drama that felt fresh and new, not something that felt old and dusty. Je suis parti du principe que les personnes qui vivaient à cette époque avaient l'impression de vivre une époque moderne. So it's based on the principle that the people who lived at the time felt like they were living in a very modern time. Peut-être comme nous ici. Maybe like us today here. Yeah, I would like to add to that question and just say, what is it at this point in time in 2018 that makes you want to revisit the 18th century of Diderot? Déjà parce que le texte lui-même, le récit dont je me suis inspiré, date de cette époque. Et puis, je trouve que c'est une œuvre qui... C'est une œuvre, en tout cas. L'idée du film, c'est une forme d'exploration d'un fantasme tout particulier qui est celui de la vengeance. Et les personnages principaux... des nobles de l'Ancien Régime en France avaient tous les temps et les moyens illimités de s'y consacrer. So, principally, it was because the text was set in that period that we made it in that time. But really, this movie is about an exploration of a special kind of fantasy, the revenge fantasy. And in this case, the characters, the French nobility, had all of the time and the means at their disposal to really indulge in that fantasy. Ensuite, le fait de se projeter dans une époque passée nous fait oublier notre actualité et paradoxalement peut nous rapprocher d'autant plus rapidement de notre intimité. So setting it in the past helps us forget the present moment and paradoxically helps us get closer to our inner selves. Oui. Are there further questions? Yes, down here. Oh, yes. Yes, just to make sure everyone's here, the question is just regarding whether or not there's a relationship between this film and the Les Liaisons Dangereuses. Les Liaisons Dangereuses est une œuvre contemporaine du récit de Diderot. Et évidemment, quand on fait ce film, on ne peut pas ne pas penser aux Liaisons Dangereuses. The Liaisons Dangereuses is a contemporary work that's based on this very same story. So of course, we make those similarities, those connections. Les deux films mettent en valeur un personnage féminin extrêmement intelligent, extrêmement brillant et qui s'avère aussi diabolique. So both of these films focus on a female character who is very intelligent, brilliant, but at the same time diabolical. Mais en ce qui concerne le séducteur, ici, le marquis est loin d'être un Valmont. So, et la fin est beaucoup moins cynique, à mon sens. So, and our seducer here, the Marquis, he's very far from being a Valmont. Et la fin me semble moins cynique. And the ending is less cynical. Même le portrait qui est fait de Madame de la Pommeraye et me semble fait par Diderot un portrait peut-être plus sensible. Elle passe par différentes étapes et on montre dès le début que c'est une femme amoureuse qui souffre. Chez Merteuil, on va le deviner progressivement, mais ce n'est pas la même approche. So in the portrait that Diderot draws of this female character, Madame de la Pommeraye, you see her at different times. She's at one time a lover, and at a different time, she's wounded. Avec Merteuil.
quand on commence, en tout cas, le portrait de Merteuil n'est pas d'emblée le portrait d'une femme amoureuse blessée. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on devine et qui est suggéré, sur lequel on peut interpréter. Mais ce n'est pas aussi... alors, pour résumer, je dirais... Le roman de Laclos s'intéresse quelque part moins à la passion amoureuse que le récit de Diderot. Ok. So with Merteuil, it's not so much a portrait of someone who was wounded at the start. At first, you see her as a lover, and in the novel by Laclos, it's less about a woman in love. C'est ce qui m'intéressait en tout cas dans le récit de Diderot, c'est qu'il montre les deux aspects de la passion ou de l'amour, à la fois ce qu'il a de plus beau et en même temps ce qu'il a de plus douloureux, mais les deux sont imbriqués. So what's interesting in the story by Diderot is that it shows the two sides of passion or of love. On one hand, you have the beautiful side, and on the other side, the pain. But the two are very much connected. Je ne sais pas si ça répond à votre question. I don't know if it's... Does that answer your question? I try. Great. Let's take a question from there. Une œuvre est faite pour que chacun puisse y investir ses propres interprétations. Parfois, on peut en effet dire quelque chose, on peut dire à quelqu'un qu'on ne l'aime plus et inconsciemment peut-être l'aimer encore. Donc les interprétations peuvent être infinies. So any work is open to interpretation. So you can have in a work someone who says, I don't love you anymore, and it's up to you to decide if you believe it or not. Pour ma part, je crois, en tout cas, mais c'est une interprétation personnelle, que le marquis est au contraire, a une immense, véritable amitié pour la marquise. Et que lorsqu'il lui dit qu'elle n'aime plus, évidemment, il y a un coup, mais en même temps, il y a quelque chose de magnifique. Donc, je crois que le marquis est sincère. Et j'ai essayé d'écrire le personnage du marquis comme quelqu'un qui est sincère tout le temps. Et d'ailleurs, quand il joue la comédie, il n'est pas très bon. I believe that the marquis had a great amount of love, friendship, love for Madame de Pommery. And when he says that he doesn't love her anymore, of course, yes, it hurts, but there's something beautiful in telling the truth. And I tried to paint him as a character who is sincere always. And in fact, when he is acting, he doesn't do it very well. Further questions? Yes, up there. It's not a question. I just want to say thank you for portraying women
scene at the end when she turned to the mother and said, as long as we're, if more women were working together, we could be stronger. I thought that was a really great statement. I really liked the idea that the protagonist, the man, although he was keen on his sexual pursuits, was not made out to be a demon for that. So I really appreciated that imagery in the film. And I also wanted to thank you for portraying prostitutes as people in a positive light and not negative, as we often see in the media. So thank you. Merci. Merci. Yes, up there in the corner. Did everyone hear that? No. The comment, if I can just summarize, has to do with the fact that our male protagonist, that she doesn't believe that he's necessarily going to, you know, retire to the countryside and continue now to lead a life of fidelity, that the sexual mores that's kind of built into these characters will continue to play itself out, if I'm understanding correctly. Alors, je n'ai pas encore écrit la suite. I haven't written the sequel yet. Mais ce qu'on peut se rendre compte en regardant le début du film, c'est se poser la question, c'est combien de temps l'amour dure. Donc vous avez raison de vous poser les questions. Je me pose les mêmes questions que vous, mais je n'ai pas encore les réponses. So what you realize from the beginning of the film and leading into the end is, how long does love last? So that's an excellent question, and I ask myself the very same one. Further questions? Yes, way in the back up there. Pourquoi? Yeah, sorry, I don't understand French. So the question is, why does the best friend lie at the end when she says that she saw him without his wife? Ce personnage de l'ami, c'est un personnage que j'ai créé, qui n'est pas dans le texte de Diderot. Et je voulais un personnage qui incarne un peu le regard raisonnable. Puisque nos deux personnages principaux sont absolument excessifs et démesurés, je voulais un personnage qui soit un peu comme peut-être l'ensemble des spectateurs, je dis peut-être, je ne sais pas, voilà, mais qui incarne un peu cette raison et qui essaye de ramener son ami à la raison. On traduit déjà ça, puis après. So the character of the friend is a new character who is not in the original work, and I wanted her to embody a kind of voice of reason. We have our two main characters who are kind of larger than life and at the mercy of their whims, so her goal is to really bring people back down to earth. Et en l'écrivant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché chez ce personnage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, ce genre de situation dans la vie, c'est quand on a quelqu'un de proche, et qui, à cause d'un événement, on va dire, est justement très perturbé, et qu'on sent qu'on ne peut plus lui parler, qu'il n'entend plus ce qu'on lui dit, et qu'il s'éloigne de nous. So I was really touched by this character because, and maybe you've experienced this in your own life, is you have someone who's close to you, and for some reason or another, all of a sudden they can't really hear you anymore. Et pour moi, ce personnage a... voit sa meilleure amie, en tout cas l'amie de la marquise, voit la marquise s'éloigner. Et le fait qu'elle lui mente à la fin, c'est pour moi une tendresse, c'est pour lui épargner un coup de plus.
So the character of the friend, she sees the Madame de Pommery kind of growing distant and going away. So the lie at the end is a form of charity to spare her feelings from one more blow. We have time just for a couple more questions. Is there any other questions from the house? If I can see everybody. Yes, up there. So the question regards, is that the actual ending of Jacques Le Fataliste? Alors, Jacques Le Fataliste est un livre où il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Ça, c'est une petite histoire parmi des histoires qui sont dans le livre. Mm-hmm. So, it's actually, the Jacques Le Fataliste has many stories within it, and this is just one story within the book. Ça finit à peu près comme dans le film, sauf que la scène de fin entre la marquise et l'ami n'existe pas. So it's approximately the same ending, but that last scene between the friend and the marquise obviously doesn't exist. One last question, anyone? Yes, up there. So the question is just that, will there be a second part to the film? Ah, non, pas encore. J'attends des propositions de producteurs. Not yet. I'm waiting for producers to give me some offers. Okay, well, thank you so much for coming, Merci. Everyone, and for staying. Merci de votre accueil. Thank you, Emmanuel. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a great rest of the festival.